Alors, on est bon. On a Fox Raoul. Contre Fox. Ouais, contre Fox et encore Fox. Voilà, donc si je ne m'abuse, Raoul est en bleu. Sûrement. Je pense que. Et Fox est en rouge. Fox est en rouge. Ouais. Et on va directement sur Belia. Non, c'est un échauffement parce que Belia a besoin de se chauffer les doigts. Belia, avec sa manette pétée là, qui est trop bien. Ouais, c'est quoi cette manette? Une manette Nintendo Club Mario là. Nintendo Club, what? Qui a été j'enregistre plus mes points moi. Gracieusement été donné parce que normal c'est arrêté. Gracieusement été donné par Mackenzie. Ah mais attends, il y a plus de points Nintendo, c'est fini. C'est fini, ils ont. Mais je les enregistrais depuis mes 8 ans. Mais oui, mais moi aussi. Attends, ma mère m'a fait une adresse mail pour ça. Est-ce que c'est du vrai match? Mais non, c'est pas du vrai match. Si, c'est du vrai match. C'est du vrai match. C'est du vrai match. Et... c'est tout pourri, c'est pas le vrai match. Est-ce que c'est Raoul en bleu? Raoul est bleu. Raoul est en bleu, il a pris le premier stock et il prend l'avantage. Raoul. Raoul est chaud. Non, Raoul est dopé. Ah, c'est pas la manette d'Otak? Otak, je crois qu'on a retrouvé ta manette. Bon, on a retrouvé la manette d'Otak, grand soulagement parce que c'était assez con. Oui, apparemment Otak fait ses manettes chères. Ouais, mais il modifie ses manettes. Il a des boutons sanois dans ses manettes. Il a des boutons sanois. Tu connais pas? Oui, si, je sais, c'est les trucs qu'il y a dans les arcades japonaises, enfin sur les doigts d'arcade. Il a vraiment des boutons sanois dans ses manettes. Sanois, ils font pas de manettes. Il devrait. T'imagines si on avait des boutons sanois? Mais moi j'aimerais bien. Attends, Madcat, si tu nous écoutes, fais-nous des manettes, on les achète. Ouais, mais tu penses qu'on pourrait l'utiliser en tournoi? Ça me paraît pas très officiel. Mais tant qu'il n'y a pas de bouton turbo, il n'y a pas de problème. Ah, je sais pas, si ça se trouve, il n'y aura pas la même stickbox, il n'y aura pas la même. Mais justement, elle est toute pourrie la manette Gamecube de base. Elle est trop bien la manette Gamecube. Bon, alors le match. Tu joues à 64 ou quoi? Vas-y, il n'y a pas de problème. T'as pas vu ma troisième main? T'as quoi? Ma troisième main. Pour tenir le stick. Ah, pour tenir le stick. Bon, je crois que Belia il s'est réveillé. Belia s'est réveillé. Ouais, j'allais dire, tu vois, effectivement, peut-être que Raoul est mieux dopé que Belia, genre. Je pense que Raoul il a pris un petit rail de coke avant de venir. Tiens, c'est pas bien ça. Je crois que c'est interdit par le. Faut éviter la drogue, messieurs. Faut éviter la drogue. Enfin, faut éviter. C'est pas obligatoire. Ah bah, c'est assez illégal, voilà. Et puis en plus, ouais. C'est pas bon pour votre santé. Ça dépend. Bon, ça dépend. C'est pas non plus bon pour votre performance en tournoi, j'insiste. C'est pas très bon pour votre porte-monnaie. Ah, c'est en plus. Bon, en attendant, Belia being Belia, quoi. Ouais. GG Belia. Belia bing, Belia boom. Je crois qu'il a gagné 3 matchs en 1, non? 3-0? Ouais, déjà. Bon, retiens. Ah non. C'est que la loser. Oulala! Il va se faire wave shine toute sa vie. Alors, voilà donc l'histoire. Mais pourquoi tu joues ce perso de merde? Parce qu'il aime jouer Falcon contre les Specie. Il va se faire frapper. Oui, mais écoute, ça il apprend pas, tu vois. Raoul, on y croit. Raoul, il a des trucs. Gagner. Raoul, il a des trucs dans sa tête et puis il veut pas les enlever. Hein. Et apparemment, ça a l'air de pas trop mal marcher. Raoul, tu m'as dit que même moi je battais ton Falcon. Oh là 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 là! On a rien à dire. Je veux dire, on devrait faire une minute de silence. Ouais. Bah, j'avoue que c'était assez violent. Alors, une minute de silence pour ce Falcon vert. Falcon vert en plus. Couleur éboueur parce que clairement il est à mettre à la poubelle. J'aime bien tes blagues, c'est marrant. Je suis méchant, je suis désolé. C'est l'heure. C'est l'heure, ouais, je pense que c'est l'heure, on sait plus trop ce qu'on dit. Non, en fait, je le dis aussi à 14h. Ouais. Mais d'un ton plus enjoué. Ouais, bah le Falcon qui survit jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, à savoir 100%. Après, tu fais Shine et Bakar, donc ça ne sert plus à rien. Et puis tristesse. Ça devient juste un. Tu sais, les sacs de frappe dans le mode. Non. Moi j'utilise Falcon comme sac de frappe. Ouais. Ah, il est parti. Allô. Je suis pas loin. En tout cas, Belia gagne, ce qui est normal. Je vais prendre un verre de la mec. C'est pas les Grand Ole Léon? Non. On va prendre un paquet et. Monsieur n'est pas partageur. Bon bah je suis tout seul, du coup Charby tu vas commenter. Quoi? Let's go. Bon, Belia va gagner ce match.
qu'il va gagner un autre match et puis ça sera fini. Voilà. Bah, il prend Falcon, donc bon. Ouais, à part ça, à ce moment-là, ça. Je sais pas, il joue Fox, pourquoi il prend pas Fox? T'es ressenti sur ton match? Non, mais je veux dire, Fox et Falcon, ça correspond à peu près à la moitié du match que tu peux jouer. Voilà. Si tu changes pas ça. Ouh, Shine Up Smash. On est dans le game. Ok. Il essaye de se démerder, mais ça a l'air difficile. Il va peut-être mieux mettre Front Smash là. Ouh, il est parti loin avec ce triple jab, enfin ce double jab. Gentleman. Ça saute un peu, hein. Oui, c'est mon dazzle. Enfin, non, je crois que c'est juste mon CPU qui est en train d'exploser en fait. Ouais, t'enlèves la preview dans le stream, ça concernera moins. Ouais. Et là, tu vois le bout de. Le warning rouge là. Ouais, mais ça, c'est parce que. Je pense que je vais mettre du GPU acceleration, histoire de moins péter mon CPU. Le CPU qui est un peu derrière. Attends, j'ai un bon CPU. Ah bah voilà, ça y est. Ah, il reprend Fox. Bon Fox. Voilà, ça c'est mêlé ça. Voilà, ça c'est du mêlé, c'est du Fox Ditto. Fox Ditto sur Final Destination. Voilà. Non. Ah, Pokémon Stadium, un stage pas légal. Non, je suis plus là. C'est pas légal du tout. Moi je trouve que c'est pas légal, sauf en version normale. Bah oui, en version normale ça. Ouais, c'est pour ça que c'est. Encore. Pokémon Stadium 2, il est stylé. Pokémon Stadium 2. Parce que Pokémon Stadium 1, t'as l'espèce de carré noir là au bord là. Tu te vois pas où tu es quand t'accroches au bord. C'est ça. Espèce de machin à la grille là. Oui, je sais, ouais, c'est chelou. Hein. C'est pas un bon stage. C'est un peu dur de commander vu que ça saute. Mais c'est pas grave, on voit. Alors, Bélia c'est de quelle couleur? C'est normal. Bélia c'est le classique Vanilla. Et. Un petit shine. Oh. Mais j'avoue que c'était bien tenté. Genre en soi. Ouais, un petit fond comme ça. Ouais. Alors, okay. Il tente de l'edge quand c'est, mais ça marche pas. Le petit baguette. Il attend. Bélia qui dash dance. Qui attend sa proie. Ouais. Alors, un petit double jump en plein milieu en neutral pour aucune raison. Mais bon, il se fait up smash après, donc ouais. Voilà. D'accord, petit neutral air. Fox Ditto, le neutral air c'est un peu la clé du succès. Bah ouais, le dash attack aussi c'est pas mal. Dash attack, pourquoi pas. Hein. Surtout le grab. Le grab. Ah bah le grab, tu le mets grab. 60% d'un coup et puis c'est fini. Bah, tu fais un 0 to death. Moins 0 to death si t'es chaud. Hop. Hop. Bah, ça c'est la version un peu. Ça peut la pauvreté. Ça c'est un peu la version Fox de base. Voilà, c'est ça. C'est pas petit. Alors pas petit du tout. C'est petit, il fait des pivotes. Pas petit. Quand tu vois un mode iPhone, oui, mais ils sont pas encore à notre niveau. On n'est pas encore HAL. Bon, double laser devant la personne. Ouais, c'est un concept. Là, c'est concept. Ouais. Je pense qu'il devrait mettre un brevet sur son concept parce que. Ok, double check. Est-ce que Raoul peut faire des chaînes Toshi? Je sais pas. Bah, peut-être pas en match. Je pense c'est super important dans ce match. Ouais, mais c'est important dans tous les matchups. Enfin, à partir du moment où tu peux shine Toshi, il y a tellement de matchs. Avec Mars, c'est pas important parce que t'as pas ton. Oui, partout. Par exemple. Mais ouais, en Fox Ditto, tout le temps le mec sur ton shield. Oui. Le seul moyen de battre le shine, eh bien c'est le shine. La réponse. C'est évident. Ok, le nerf. Ah, il se débrouille pas trop mal, Raoul. Hein. Ouais, ça c'est le back throw, c'est le cheese que tentent tous les Fox. Voilà. Back throw shine. Shine ouais. La carotte. Mais ça ne marche jamais parce que tout le monde sait le DI. Ouais, on DI, on saute par-dessus. Ouais. Après, c'est Fox qui en a la merde. D'accord, il fonce avec un air, pourquoi pas. Okay. Concept aussi. Hein. Ouais, il se débrouille beaucoup mieux que Fox, c'est bizarre. Hein. Peut-être parce que c'est plus équitable. Bah, et sûrement, oui. Peut-être parce que le match-up n'est pas absolument immonde. Ah, moi, quand je vois Wizrob qui fail, qui arrive presque à gagner contre des Fox. Mais oui, bah, en même temps, il take shake jusqu'à 700%. Ouais, c'est un ami, quoi. Pas le choix. Ouais. Bah, il est carré. Ah. Double shine. Et le shine, et c'est fini, 3-0. Voilà. Fini. Ah, j'ai jamais vu autant de shine. J'ai jamais vu tant de dodi. Pas trop.